Aujourd'hui, un podcast qui ne laisse pas indifférent puisqu'il s'appelle Who Shat on the Floor at My Wedding? Donc, littéralement, qui a chié par terre le jour de mon mariage? Point d'interrogation, la question se pose, ça se fait pas. Et derrière ce nom un peu voilà, abject, dégueu, on a un podcast en fait très intelligent, extrêmement bien produit, écrit, animé, un succès d'audience d'ailleurs, un podcast en anglais, hein, Who Shat on the Floor at My Wedding, c'est en anglais, mais ne soyez pas rebutés par la langue, moi je suis pas du tout bilingue, loin de là, et j'ai pu suivre le fil sans problème et être plongé dans l'ambiance. Puisque cette ambiance, c'est un podcast hybride entre du fait divers, de l'enquête et de la comédie, de l'absurde. Cette histoire, elle est complètement absurde. Il y a sûrement des éléments vrais, les gens dans le podcast, à mon avis, se connaissent, ça sent qu'ils ont une vraie complicité. Mais l'histoire est absurde, on va aller, du coup, le trio de tête, c'est les deux mariés et leur pote enquêtrice, autoproclamé, et qui va aller interroger les uns les autres, tu faisais quoi à telle heure le jour du mariage, c'est quoi ton alibi et tout, donc c'est super drôle, allez-y. Who shat on the floor at my wedding, et je vous dis à demain. We quite naturally just have to know who was audacious enough to commit this most heinous crime. So we thought the best thing to do would be to join forces with our good friend Lauren Kilby to conduct a thorough investigation and get some answers.